dans la catégorie messieurs avec le chinois Li Shuyang, âgé de 22 ans. Les Chinois qui sont venus en force, pourrait-on dire, à Bercy, une nouvelle fois avec toute leur armada de jeunes gymnastes, dont ce Li Shuyang. Oui, en effet, je crois que toutes les nations ont vraiment joué le jeu cette année et toutes nous ont envoyé leurs meilleurs champions. Aussi bien les deux soviétiques que les meilleurs chinois. Enfin, c'est pratiquement un championnat du monde que nous trouvions ce week-end dernier à Bercy. Li Shuyang, que l'on surnomme l'acrobate, donc que l'on va voir ici aux anneaux, qui s'entraîne à Beijing et qui pratique la gymnastique depuis 12 ans, c'est-à-dire qu'il a débuté à 10 ans. Donc, voilà, la Chine est vraiment un très, très grand réservoir de très bons gymnastes. La gymnastique chinoise est très forte puisqu'elle, dans toutes les écoles, on pratique la gymnastique et il y a un réservoir vraiment exceptionnel. Voici tout le travail de force qui est obligatoire. Aux anneaux, on doit trouver 3 exercices de force minimum. C'est un engin très difficile puisqu'il n'y a aucun point mobile, il n'y a aucun point fixe, tout est mobile. Et Li Shuyang qui est champion du monde en titre à la barre fixe. Donc, nous le disons tout à l'heure, 35 médaillés mondiaux. Voilà, au concours général, bien sûr, les gymnastes essaient de se classer parmi les meilleurs. Concours général, chaque concurrent participe donc à tous les agrès et le classement se fait sur le total, à la différence donc de l'épreuve que nous suivrons tout à l'heure, finale par agrès, où là, chacun peut, je dirais, se spécialiser voilà. Dans l'agrès qu'il préfère. Là, il faut être bon partout. Voilà, c'est la grosse difficulté de la gymnastique, justement, c'est que les classements au niveau Jeux Olympiques ou Championnats du Monde se déroulent sur les 6 engins. C'est le grand intérêt, justement, de cette spécialité de la gymnastique, c'est que ça demande des qualités totalement différentes d'un engin à l'autre. Le gymnaste doit être absolument complet au niveau des qualités physiques. Et voilà donc